Alors, on parlait des groupements de communes. Je crois, que tu as des infos justement sur les groupements oui. de communes parce qu'il n'y a pas que le ménil il y a d'autres communes où il n'y a pas grand monde comme habitant Et euh, oui. en Normandie. Depuis 2016, 16, en Normandie comme ailleurs, on fusionne. On fusionne pour répondre aux baisses de dotation de l'État. Donc euh, en Normandie, il y avait euh, avant 2016 3200 communes. Aujourd'hui, on en est à 2600. Ah oui. Ah ben bah donc que ça fusionne euh, ça sévèrement. Ça fusionne sévère. En, en bah deux ouais. ans, on est passé de Oui, oui, oui. et c'est pas fini, ça continue de fusionner parce que il bah, euh, y a moins de sous, donc on se, on se regroupe. Pour, Alors quand on dit il y a moins de sous, quand on dit il y a moins de sous, l'État C'est-à-dire que l'État sur les impôts que nous payons tous les mois à euh, c'est ça, redistribue à chaque commune. – Un ouais, peu de sous ouais. Et Alors le mille Jourdan récupère un peu de sous de l'État tous les ans ?– Voilà, c'est ça. – Avec 10 habitants, je suis curieux de savoir combien il récupère. <laughs> – Dotation de solidarité. – Dotation de solidarité. Ouais. – Et autour de 10 000 euros. Ah oui, c'est bah, toujours ça, ça permet d'entretenir le jardin par exemple. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bah, Exactement. y a eu un peu, je pourrais être maire d'une commune d'Istabit. Il ne faut pas me demander plus parce que ça serait catastrophique. Tout le monde jouera à la console toute la journée. Moi, si alors, je devais être maire d'une ville. Alors, en Seine-Maritime, la commune qui a le plus, oui, qui a, qui a plus fusionné a réuni 18 villages. Oh. Ouais, 18, Dieppe, autour de Dieppe, et ça s'appelle maintenant Le Petit Cot. Voilà, Ça change de nom. Et euh, dans la Manche aussi, la fusion la plus spectaculaire, c'était autour de Cherbourg. Ah oui. Et ils ont créé la quatrième la, la ville la plus importante de, de Normandie. Ah oui, juste et ça s'appelle maintenant des oui. petites communes. Oui, et maintenant ça s'appelle euh, Cherbourg-en-Cotentin. Il y a 82 000 habitants. Ah oui, a pas mais c'est vachement plus grand qu'avant. C'est beaucoup plus grand. Mais du coup, quand tu arrives, ouais, vous... si c'est plein de communes qui sont mises ensemble, ah. quand tu arrives, il y a un petit panneau genre Cherbourg-en-Cotentin. Mais oui. Comme quand tu es en voiture et ça, du coup ça devient une ville en fait. Oui c'est ça. ça il y a le nom, le nom de l'ancienne ville et en dessous il y a Cherbourg en Cotentin. Ah Voilà, c est, c est, c est... Ça, devient, euh, ça devient une grosse commune. Une grosse, commune, quoi. Et une alors, grosse vous... ville. Et savez-vous quelle est la, la, la ville la plus, la plus peuplée de Normandie Allez, alors, le La le le plus Neuve. peuplée. Là où il y a le plus d'habitants. C'est pas... C'est pas Jean Rouen le Non. Le Havre, le Havre. Ouais. Bravo. C'est le, le Havre, le Havre avec 172 000 habitants. Ah oui, c'est pas mal, dis donc. Mais oui. Et alors vous, Bertrand, pourquoi vous fusionnez pas comme ça? Vous êtes, c'est le petit village d'Astérix? <laughs> c'est ouais, bon les, <laughs> les <'est> irréductibles gaulois <laughs> qu qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Oui, c'est ça. Et puis en plus, on, on sait que les habitants sont quand même en milieu rural, sont attachés à leur à leur mairie, à leur maire, et euh, par rapport aux services qu'on peut rendre, on ne va pas fusionner avec d'autres mairies ou où, où l'accord ne serait pas forcément euh, prolongé.